Bonjour, je suis Olivier Maslow et j'ai envie de vous parler du jeûne parce que j'en suis à mon quatrième jour de jeûne. Déjà, le jeûne, pour moi, ça représente parfaitement le processus pour passer d'un état à un autre. Un état de toxines, de corps encrassé, à un état de corps léger et d'une belle énergie. Et cette belle énergie, on en a besoin justement pour changer le monde, pour apporter des pierres nouvelles qui vont permettre justement à tous d'aller ensemble vers un monde meilleur. Alors, le processus du jeûne, c'est quoi? Ça commence par trois jours de détoxification pendant lesquels, effectivement, il y a des maux de tête. Il faut faire une purge du ventre, donc ce n'est pas forcément agréable. Il y a de la fatigue, on peut avoir la sensation d'avoir froid, on peut aussi avoir envie d'aller manger. Et c'est souvent un obstacle parce que les personnes vont se décourager. C'est trop dur, j'arrête. Et la première leçon à tirer de ces trois jours, c'est que pour passer d'un état à un autre, il faut s'engager. D'accord ? Et il faut passer effectivement cette période de détoxification. Alors dans le cadre du cerveau, etc., ça pourrait enlever toutes les croyances, toutes les peurs, etc. Voilà, il faut passer par là. Et pour ça, il faut s'engager. Il faut le faire, il faut s'y astreindre, il faut le tenir. Mais une fois qu'on a passé ces trois jours, on arrive à un autre état qui est beaucoup plus lucide. Parce que l'énergie que le corps consacre d'habitude à la digestion, eh bien, va être répartie autrement. Et donc, c'est vrai qu'on a une lucidité beaucoup plus grande, il y a une forme de sérénité qui s'installe, on est plus au ralenti, donc on n'est plus dans le train-train du quotidien, voire dans le stress et la frénésie du quotidien, non, il y a un recul qui est là, il y a un ralenti qui se fait, et ce ralenti est propice justement à la bonne réflexion. Et alors, il y a aussi une chose qui est essentielle. C'est vrai qu'on a toujours la croyance que si on mange pas, on va mourir. Au bout de 7 jours, on va mourir. D'abord, c'est pas vrai parce qu'on peut durer beaucoup plus longtemps, 40 jours, voire plus. Mais surtout, c'est intéressant de voir qu'il y a une différence fondamentale entre avoir faim et avoir envie de manger. Dans nos routines, on a l'habitude de manger 3 fois par jour. Donc, quelque part, le cerveau automatique, il dit à un moment, bon, faut aller manger. Et puis alors, si on sent en même temps quelque chose de bon, etc., ça peut se dire, waouh, j'ai envie d'aller manger. Comme hier, il y avait une plaque de chocolat qui traînait, je me dis, waouh, j'en prendrais bien un bout. Mais en fait, c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas l'envie de manger, c'est pas la faim, c'est l'envie de manger. Je n'avais pas faim, je n'ai pas faim, j'ai toujours pas faim. Au bout de 4 jours, j'ai toujours pas de faim et je peux tenir une semaine, je vais peut-être même tenir 2 semaines, on va voir comment ça se passe. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas faim, par contre, je peux avoir envie de manger. Et c'est pareil, quelque part, pour la vie. On n'est pas dans le manque, on est dans l'envie de quelque chose. Et plus on est dans l'envie de quelque chose, plus on va vouloir consommer, amasser, etc., etc. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de ça et que le fait de se libérer de tout ça nous apporte une forme de lucidité qui va nous permettre de construire vraiment là où il faut et avec l'énergie qu'il faut, la belle énergie qu'il faut, avec un corps en bonne santé, eh bien là, ça change tout. Donc, cliquez sous la vidéo. Et je vous promets, d'abord, on va réfléchir ensemble à comment on peut y arriver. Et puis après, voilà, je vais vous proposer des choses mais qui soient en accord avec ce dont vous avez besoin. Parce que si vous avez envie de bâtir quelque chose de neuf, si vous avez envie d'amener des nouvelles énergies dans un monde à l'agonie, eh bien, c'est le moment. Et je vous attends. Cliquez sous la vidéo et on va faire des belles choses ensemble. Merci.